sports. It's in the game. Bonsoir à tous, suite de notre mode carrière avec le PSG, on continue le championnat de Ligue 1, notre prochain adversaire ce sera Rennes. Quelques images à l'échauffement de Kylian Mbappé. Il a parfaitement démarré sa saison avec des buts à l'appel. Restez bien avec nous, on se retrouve dans un court instant pour le coup d'envoi. Bonjour à toutes et à tous. Cette fois-ci, on va les affronter, ça sera chez lui. Ici à Paris, en compagnie de Pierre Ménès pour un match que nous allons suivre ensemble. Les amateurs de foot français vont être servis avec ce match de Ligue 1 Uber Eats que nous allons suivre ensemble. Le Paris Saint-Germain face au Stade Rennais. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. Mbappé, qui est un élément moteur de son équipe, et donc il faudra suivre la prestation de près aujourd'hui. Si on se fie à la forme du moment, on ne sera pas étonné s'il marque encore aujourd'hui, ce qui le rapprocherait encore plus du record absolu de buts marqués dans cette compétition. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Pour garder le but, Keylor Navas. Samuel Umtiti sera là en défense avec José María Jiménez pour partenaire. Arthur sera accompagné par Idrissa Gueye au milieu de terrain. Devant, Kylian Mbappé pour animer l'attaque avec Mauro Icardi. Alors que vous découvrez la composition du Stade Rennais, ce sera dans un dispositif 4-3-3 traditionnel. Ouais, avec deux ailiers façon Barça. On ne peut pas dire que le Stade Rennais ait beaucoup brillé sur la scène européenne, hein, quand même dans son histoire. On ne peut pas dire qu'il ait beaucoup brillé sur la scène française non plus. Hein. Je crois qu'il y a aucune victoire en Europa League, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Pas très cool avec les Rennais. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. Ballon dans les pieds du Paris Saint-Germain. Je vois ce qu'on peut faire. Joaquin Correa. Kylian Mbappé. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. Non. Oh, quelle occasion. Quelle occasion d'ouvrir la marque, c'était. Ouais, visiblement, il l'attendait pour plus tard, le ballon du 1-0, parce que là, comme tu dis, c'était une belle occasion qu'il vient de louper. Ah, l'angle n'était pas simple. C'était pas simple, mais ça nous a permis un peu de jauger la défense. Ouh, ouais, non, un peu loin. Et ça sort un peu loin, un peu fort. Florenzi. Circuler le ballon. Mauro Icardi. Entre Di Maria. Donc, ah, dommage. Qui s'est un petit peu troué sur ce ballon, qui perd la possession. Oh, c'est joli ça. Ça peut être dangereux. Ouais. Oh, il y a un bon retour du défenseur là, numéro 15. Et l'une fusée, il cherche l'angle pour tirer. Ouais, non, il essaye en louche un petit peu. Oula. Ah, c'est bien pris par le gardien. C'était cadré. Florenzi. Il y avait l'idée. Mauro Icardi. Les Parisiens qui vont peut-être essayer quelque chose, ouais. Là. Ah, c'est mal joué, l'appel, il aurait dû attendre un peu.
peu de précipitation dans sa course. Dommage pour lui. Très très à l'aise. Attention. Mais l'accélération était belle. Attention, contre-attaque. Ndonzi. Mbanyang. Benjamin Morigeau. On revient. Ferme les angles. Ouais, très bon tacle. Mauro Icardi. Ouais, profondeur, oui, bien vu. Oh, qui sort vainqueur de ce duel. C'était une énorme occasion. J'ai pas voulu me rapprocher trop parce que j'avais peur que le gardien me ferme l'angle. Mais encore une fois, la balle est à côté. Oui, tout de suite, oublier cette frustration et continuer d'encourager ses joueurs. Voilà ce qu'il faut faire. Deuxième occasion dangereuse. Joaquin Correa. Avec Renan Lodi. Kylian Mbappé. Ah dommage, putain, il a bien suivi ce que je pouvais faire. Florenzi. Icardi. Attention, il y a deux. Mbappé. Et deux défenseurs. La claquette du gardien. Pas même réussi à. Et ce sera à trouver un trou entre les deux. Voilà. Le gardien. Qui était sur le coup. Ah, il part bien, ce corner de Di Maria. Oh, belle tête. Ouais, bon arrêt sur cette tête. Bon, la tête était puissante, peut-être un peu trop sur le gardien, mais continue d'exercer une pression qui veut bien finir pour payer quand même. Il a sa gueule. Plus on est chez nous, le public donne de la voix. Ah, c'est bien donné ce ballon. Ouf, ouf, ouf. Oh, il était tout seul face au gardien. Non. Oh, l'occasion. Avec défense. Il a manqué de lucidité, de relâchement. Pas la peine de chercher plus loin. On arrive à la milieu de première période. Benjamin Bourigeaud. Martin Terrier. Benjamin Bourigeaud. Ça va donner, non. Attention, il y a du blanc là. Oh, 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 oh. Ouais. Mauro Icardi. Ça, c'est pas mal. Renan Lodi. Pour un ah, dommage. Ouais, il y avait un joueur dessus. Oh, mauvaise. Ouais. Un ballon récupéré par l'adversaire. Oh là là là, c'est quoi cette passe ? Personne n'en doutait, mais voilà des stats qui confirment la grosse domination parisienne dans le dernier quart d'heure. Je ne sais pas si ça va se terminer par un but, tout ça, mais à mon avis, il y a des chances et ce serait une juste récompense. Oh, heureusement qu'il attaque. Attention, le tacle dans une zone dangereuse. J'étais prêt à faire une passe sur Correa, il était tout seul. Et qui va donc porter le maillot de Manchester United, c'est officiel maintenant. Ouais, quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction. Et il n'y a pas de corner, ça m'étonne. Je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule. Le stade Rennais. On a dû la redévier. But, mais il n'en encaisse pas non plus dans cette première mi-temps. Touche, un touche pour le PSG. On trouve la faille. Hein. Ouais, bien vu, oh là, Cardi, dommage. Bien donné. Dommage. Voilà, il fait ce qu'il veut. Très beau contrôle. Il fait ce qu'il veut, il se balade littéralement dans la défense. Le défenseur qui contre ce ballon. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Ouais, une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Oh, ah, c'est le défenseur qui l'a dévié. C'est le défenseur qui l'a dévié. Trompe son gardien. Ah, le ralenti va être sympa à voir. Ouais, même au ralenti, on n'a pas trop le temps de comprendre. Il y avait de l'attaquant. C'est bien lui qui dévie le ballon dans le but. Ouais. Ah ouais. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Ouais, et le gardien qui
part à gauche, mais qui revient quand même à droite au dernier moment. Très heureux que son équipe ait marqué un but, l'entraîneur visiblement, et de l'avoir prendre les commandes de ce match aussi. Juste avant la fin de la première mi-temps. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Ça fait plaisir. Hein. Le numéro 13, Joaquín Correa. Di Maria. Rapidité, vivacité, technicité. J'ai résumé à peu près les qualités de Dandrel Di Maria, hein, Pierre. Oula, très bon retour défensif. Très au-dessus de la moyenne. Attention à la frappe. Ouais, joli. Et le but ! Et le but pour le PSG ! Très bon jeu collectif. Les Parisiens qui portent leur avance à deux buts dans cette partie. Ah, le public est fou. Hein. On revoit cette excellente inspiration. Ah, très bon tacle, hein, mais on la récupère. On lui redonne et le ballon. Ensuite, frappe à mi-distance. Fusil puissante. Gardien pour rien faire. Superbe. Ça fait donc deux buts d'écart maintenant, ouais, 2-0. Coup sur coup, là, ça va leur faire mal. Hein. Ouais, ça sort. Ce sera une touche donc. Ndanzi. Benjamin Bourigeaud. Attention, la petite passe lobée. Attention, il y a un boulevard là devant le but. Hein. C'est contré. Hein, ah oui, il l'a vu. Hein, il est parti. Je suis revenu. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. Mbappé, une dernière action. Il progresse toujours, Kylian Mbappé. Ouais, belle arrêt. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Ouais, rentrée. Ouais, là. Contré par le défenseur. Mbappé qui frappe. Oh là 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 là. Le but. En peu de temps là. Kylian Mbappé. Ah, la frappe est magnifique hein, parce qu'il est loin. Il a trouvé la faille dans la défense adverse. Bravo. Cette équipe a dominé une bonne partie du match et ça commence vraiment à se refléter au tableau d'affichage. Oh là là, le tir est très très net. Bien ce but toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Il y avait du défenseur, mais ils n'ont pas réussi. Alors, puis un pauvre gardien, la touche. Punition, là. L'arbitre qui siffle à l'instant la fin de cette première période est déjà 3-0. On attend une réaction, peut-être en seconde période, il faut voir. René. Ils sont assommés après avoir bien tenu. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de la seconde période. Le ballon pour le Stade Rennais. Martin Terrier. Ndanzi. Mbanyang. Non. Attaque les propres, mais ballon toujours en jeu. Pas de faute, non. Idriss Agueil. José María Jiménez. Joaquín Correa. Mauro Icardi. Ah, c'est joli. Allez. Mbappé, dans ce genre de situation, difficile de l'arrêter. Chanté qu'il allait revenir, je préférais taper au but. Ah non. Perdu par les Parisiens. C'est dommage. Oh, bien récupéré. Reperdu. Voilà, on retrouve une physionomie de match un peu plus à l'image du début de première mi-temps là. Ah, c'est une touche. L'objectif, c'est renouer avec ce qu'on a pu faire à la fin. Florenzi. Une bonne circulation du ballon nous a bien aidé. À d'un côté, on fait tourner. Et de l'autre, il faut bien le dire, on ne presse pas très fort. C'est joli. Et le PSG qui va profiter de cet espace hein, sur les ailes. Ouais, non, là, ils sont revenus. Hein. Il y avait du blanc. Ils ont compris qu'en mettant du défenseur, ça allait nous... Merci d'aller la déplacer au limiter nos possibilités. Attention, c'est vraiment dangereux. Samuel Umtiti qui avait bien anticipé. Il
Renan Lodi. Idrissa Gueye. Ouais, la bonne transmission. Ouais, bien donné encore une fois. Ah, dommage. Ouais, pas bien joué là de la part de Mbappé et qui rend le ballon à l'adversaire. Rafinha. Attention. Ouais, c'est pas mal, mais bon, mon retour défensif. Attention à la relance là. Parce que... Là, ils mettent un peu de pression, il y a du joueur. Trop de pression. Florenzi. On va les calmer un peu. Idrissa Gueye. Mauro Icardi. Oh là là. La défense des Rennais qui ont récupéré ce ballon. Pas possible ça. Hein. Allez, tire. Ouais, non. Ouais, l'arrêt du gardien. Bonne prise de balle, pas de souci. Oh, c'est Maria Jiménez. Hein. J'ai du mal à. À m'enlever leur joueur. Oh là 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 là, ce retour, cette vitesse. Ouais, non. PSG qui perd ce ballon. Là, je le sens pas trop bien. Là. J'ai l'impression que c'est pas la même équipe qui joue contre moi. Attention, il a du champ devant lui. Allez, dans le couloir. Il est pas bon ce centre. Idrissa Gueye. André Di Maria. Mauro Icardi. Yes. André Di Maria. Allez, le centre maintenant. Je vais demander de l'aide, il a un peu Florenzi. Cramé le cours. Di Maria. Oh. Non, le drapeau s'est levé. Non, le drapeau s'est levé. Il y a un hors-jeu. Ouais, non, je le crois. Je l'ai crois. Le changement, c'est donc. Dommage. Il a fait un bon match, appliqué, sérieux. Ah. Mbappé sort, mais marrant. Dans son jeu. Ah bah, il a marqué. Hein. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Ah, et une seconde mi-temps. Bien vu hein. Ça. Après les avoir assommés, atomisés. Sur un... ouais. Oh, superbe ce tac à un endroit crucial. Oh, c'est joli ça. Idrissa Gueye. Sur Neymar. Une contre-attaque avec ce ballon. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Ah, oh, joli. Oui, c'est dedans. C'était joli. Ah bah, il venait à peine d'entrer en jeu et c'est un de ses premiers ballons. Et la petite danse en équipe. Et le finisseur. Alors, on revoit la contre-attaque. On revoit le joueur qui échappe à la défense. On se remet au centre. Et puis un exploit individuel. Belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Ah, c'est dommage, hein, qu'ils prennent un quatrième but sur cette contre-attaque. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. L'issue de ce match ne fait plus aucun doute désormais. Il n'y avait pas grand monde. On s'attendait à un match facile pour eux. Eh bien, c'est confirmé. Oui, il n'y avait pas photo sur le papier, il n'y a pas photo sur le terrain. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ah non, c'était pas. Ballon par là. Perdu, on a par Neymar. Attention. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Neymar. Ouais, non. Repris dans la foulée, le mais. Il capte bien ce ballon. J'avais visé un angle, mais il a tiré sur le goal. J'ai peut-être dû prendre un peu de temps pour la contrôler. Mais... d'un camp à l'autre. Ouais, lumineuse cette passe. Le gardien il a pris le poteau dans la tête, mais ça, je crois que ça a tapé le poteau, hein. J'ai entendu un bam. Ouais, on va pas bien le voir là, dommage. Le corner de Di Maria dans la surface. Dommage. Ballon dangereux hein, qui file comme ça devant le but. 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. Récupérer ce ballon gentiment. Il nous a dit 8 minutes à rien. Idrissa Gueye. Tenter de se créer une bonne occasion en faisant tourner le ballon. André Di Maria. C'est joli ça. Hop. Eh oui, il est passé. Ouf. Mal défendu ça. À peine. Ah bah si, bien défendu. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Là, j'ai laissé un trou sur le côté là. Attention. Oh là là.
Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. J'ai peur là. Ah, c'est pas passé. Tous mes défenseurs étaient cramés. Qu'est-ce qu'il était vraiment dangereux, fulgurant ce contre. Ah, tu m'étonnes. J'étais justement en train de me dire que l'autre équipe était en train de se faire endormir. Ah, complètement. Ouais, ils ont failli être réveillés là pour le coup. Changement pour le Stade Rennais. Sort du terrain le numéro 11, Mbanyang. À sa place, le numéro 18, Serou Guirassy. Samuel Umtiti, Idriss Agueil, Mauro Icardi, Neymar. Très joli. Ouais. Bonne présence là du gardien. Bon arrêt. Ce sera un corner. Ah, certainement l'une des dernières actions. Cette du... action, vous allez voir que le ballon ne passe pas très loin. Le corner, le ballon en pleine surface. Ouais, c'est pas mal. Attention à la contre-attaque. Non. Il est temps de revenir un peu. Benjamin Bourigeaud. Tous mes joueurs sont cramés. Rafinha. Le PSG ouais. Qui confirme ses bonnes stats à domicile avec cette Zéro. Nouvelle victoire bonne performance. Devant son public. Même si il y a des moments ça pose avec la manière, ça commence à devenir une habitude en plus. Alors qu'on peut voir pas mal de nouveaux joueurs, hein. Notamment le premier but a été marqué de mémoire par un joueur qui vient de rentrer dans notre équipe. C'est bien, ça fait plaisir de voir du sang neuf et des bons joueurs qui arrivent à transformer leurs essais. Mbappé. La bonne claquette du gardien pour dévier ce ballon. Et ce sera un corner. Ouais, une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Allez, ah oui, non, c'était couru. Alors, je sais plus si c'était le premier but. Hein. Ah non, c'était sur ce but là. Et le but pour le PSG. Les joueurs parisiens qui portent leur avance à. Ouais, entrée. Elle frappe contrée par le défenseur. Et le but. Le but signé Kylian Mbappé. Ah, il a su trouver la faille. Hein. Oh, le ballon qui lui colle au pied. Magnifique. Oh oui, c'est dedans. On aura vu tous les buts. En jeu et sur un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Ouais, lumineuse cette passe. Ah oui, magnifique la parade du gardien. Ah, c'est pas passé loin. Qu'est-ce qu'il était vraiment dangereux, fulgurant ce contre. Ah, tu m'étonnes. J'étais juste. 4-0. Bravo à notre équipe qui a montré encore une fois qu'elle était très forte. Pas les résultats des autres matchs. Alors, prochaine rencontre, toujours pour le championnat. C'est à Strasbourg. Allez, les joueurs qui sont prêts ou presque, les tribunes bien garnies. On attend tous avec impatience hein, le début de ce match, le match dont tout le monde parle depuis pas mal de temps. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Grand plaisir pour moi de vous accueillir ici dans des conditions qu'on va qualifier de correctes. Là, il est fringant, il est à mes côtés, Pierre Ménès bien sûr. À suivre dans quelques instants un match de Ligue 1 Uber Eats, le Racing Club de Strasbourg. Affronte le Paris Saint-Germain. Mais l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrée leur adversaire du jour. Nous, on veut du spectacle épique. Le Paris Saint-Germain très solide en déplacement cette saison. Il perd rarement.
et compte le plus grand nombre de victoires à l'extérieur. Les joueurs comptent 13 victoires sur 13 matchs. Et enfin, le numéro 26, Adrien Thomasson. Bon courage, un bon match. 26 500 spectateurs peuvent prendre place dans ce stade, Pierre. Ouais, c'est déjà pas mal, les jours de beaux matchs, ça fait du bruit. Voici la composition du Racing Club de Strasbourg. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Et voici la composition du Paris Saint-Germain. Pour garder le but, Keylor Navas. José María Jiménez sera en défense. À ses côtés, Samuel Umtiti comme partenaire. Arthur sera accompagné par Idrissa Gueye au milieu de terrain. Devant, Kylian Mbappé pour animer l'attaque avec Mauro Icardi. Alors que l'arbitre donne à l'instant même le coup d'envoi de cette rencontre. Ah, et avec un public qui a répondu présent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les Strasbourgeois ? Première attaque. Ils cherchent une solution. Ils ne maîtrisent pas le ballon, ils le perdent. Samuel Umtiti. Mauro Icardi. Pour Icardi. Oh, attention, il met tout le monde dans le vent. Mbappé qui frappe. Ouais, et le ballon dans les bras du gardien. Oula. Ouais. C'est récupéré. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Joaquin Correa. Mbappé en bonne position. Oula. Ouais, non, ce n'est pas cadré. Il s'en est fallu de peu. Bonne puissance, mais... C'était à côté. La défense a un peu de mal à nous suivre, mais ils maintiennent la pression hein, sur le tireur. Waris. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Il a un boulevard devant le but là. Fermer les angles. Il tire. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Idrissa Gueye. Et ça joue également en ce moment à Lyon et il semblerait que. Ouais, attention, il peut aller au bout maintenant. Attention à cette occasion. Le centre en retrait. Ouh, c'est dommage. Quelle occasion. C'est joli de la remettre au centre. La marque, c'était. Ouais, visiblement, il l'attendait pour plus tard, le ballon du 1-0. Je pensais que c'était là, le numéro 9 qui allait là. C'est une belle occasion qu'il vient de louper. Quelle est la rien oh. Frustré là, l'entraîneur. On sent qu'il aurait aimé prendre l'avantage sur cette action et on peut le comprendre. Très dommage. En tout cas, la pression, elle est chez eux. Hein. Déjà, 3 tirs. 3 occasions dangereuses. Ouais, ah non, il a poussé. Oh ouais, ah oui, il a poussé son ballon, mais il m'a donné un coup d'épaule là. Ah, Lorenzi. Petit geste technique. Ouais, non. Un tacle. Ouais, très propre ce tacle. Ça sera donc une touche. Ouais, non. Un ballon perdu, mal donné par Kylian Mbappé. Sur un contrat. Oh, il est tout seul. Il est tout seul, oui, il est tout seul, il n'y a plus qu'un défenseur. Il faut trouver une option. Heureusement disponible. Qu'ils n'ont pas été plus rapides, hein, parce que là. Encore une bonne passe. Oh là 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 là. Qui permet au gardien de s'illustrer sans trop de problèmes. Heureusement qu'il n'a pas pu négocier cette tête comme il a voulu. Le danger était réel. Idrissa Gueye. Angel Di Maria. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ah, dommage. Ouais, le ballon est perdu. Si à faire. Ah, il a tendance à pousser un peu trop son ballon. Hein. C'est la deuxième fois là qu'on lui pique comme ça. Tant mieux, hein, mais. Kylian Mbappé. Ah, c'est joli ça.
Pas de soucis pour le gardien. Oui, qu'il a... Qu'il la relâche. Le Paris Saint-Germain qui voudra enchaîner après sa victoire à domicile face à Rennes. Avec une victoire qui avait tourné à démonstration avec un énorme 4-0. Mais les joueurs savent que ce sera plus dur aujourd'hui. Ils ont arrêté de me mettre la pression et j'ai à vouloir s'ouvrir dans le but. Si allez, on va la tirer. Hein. Le ballon pour Renan Lodi. Il était parti, Mbappé. Il était plus à l'endroit de la passe. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ah, jolie, hein. Mauro Icardi. Attention, il peut centrer là. Ouais, dommage. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Sur la contre-attaque. Ah non. Ah, le bon pressing qui se traduit par la récupération du ballon. On approche de la pause, le PSG est toujours bloqué sur ce 0-0. Arthur. Il y en a maintenant. André Lemaria. Il faut qu'il centre maintenant. Idrissa Gueye. Joaquin Correa. Ouais, le gardien qui capte bien ce ballon. J'avais peur de la repasser à Mbappé, j'avais peur qu'il nous fasse un hors-jeu. Joaquin Correa. Ah, ça c'est joli ça. Il l'a bien vu, c'est bien joué. Kylian Mbappé. Oh, ah, il a pas pu la reprendre direct. Réflexe. Oh là 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 là, j'ai vu qu'il la sortait pas. Toi, t'es un grand gardien. J'ai vu qu'il a levé la patte, je me suis dit il va la reprendre. Ah non. Oh là là, c'était joli. L'entraîneur se dit sûrement qu'il ne faut pas rater ce genre d'occasion. Elle peut coûter cher si son équipe venait à perdre ce match. C'est clair. Il cherche le point de pénalty. C'est clair. Et ce ballon qui est récupéré. Le jeu. Oh, c'est Maria Jiménez. Idrissa Gueye. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ça ne passe pas, c'est sorti par le défenseur. Allez, pourquoi pas un but des Parisiens. Une fin de mi-temps. Oh, c'est dévié. Où on met le. Sinon, ça faisait but. On met ce qu'il faut pour marquer. Hein. Quoi, ça se joue à pas grand-chose parfois. Hein. Un petit crochet par Lyon parce qu'il y a eu un but au Groupama Stadium. Oui, Hervé, c'est le premier but. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Ça fait donc un but partout. Ouais, c'est joli. Oh, c'est joli. La faute. Faute. Mais type-moi la faute. Ouais, l'ouverture du score. Ah là là. Le but plutôt mérité, vraiment, pour cette équipe. Ah ouais, complètement même. Depuis plaisir. Le coup d'envoi, c'est elle qui se crée le plus d'occasions nettes. Ah, ça me faisait un beaucoup franc, j'étais content. On va le revoir là. Paf, le joueur. C'est pour le gardien. Ah là là. On a eu de la chance là sur l'intervention du dernier défenseur. Il est pas parti avec le ballon. Hein. Apprécier le ralenti sur ce but. Ouais, la frappe est belle. L'entraîneur qui a le sourire et ça se comprend, son équipe est dans une bonne dynamique maintenant dans ce match. Ah, ça fait du bien d'ouvrir la marque avant la mi-temps. Le numéro 9, Mauro Icardi. Attention, ouais. Bonne déviation. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Alors combien de temps il y aura d'arrêt de jeu? Oh, une minute. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Oh, attention à la récupération. Siffle l'arbitre. Il se l'est pas attaqué. Et ça monte vers la surface. Ah non, ouais. Le ballon est perdu. Ouais, dégagez-moi ce ballon. Là. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. L'équipe visiteuse qui est en train de réaliser un énorme coup. Elle a bien glacé l'ambiance, en tout cas en prenant la tête dans ce match. Ouais, le but, il fait mal à l'adversaire, là. Inscrit juste avant la pause. C'est le but. Le but avant tout, c'est de nous libérer. On a pu voir que l'OM était à 1-1. La seconde période. C'est pour l'instant le Paris Saint-Germain qui est devant. Geste. Arthur. Wow, bien vu ça.
Ouais, non. Mais la puissance, ça c'est clair. Ah ouais, mais c'était 3 buts à côté. Ouais, c'est justement ça, la nuance, tu vois, Hervé, c'est dans le un peu. Alexander Djeku. Waris. Et ça joue également en ce moment à Lyon et il semblerait qu'il y ait eu un but au Groupama Stadium. Oui, deuxième but à l'instant pour Lyon. On en est donc à 2-1 alors que nous en sommes à 51 minutes de jeu. Merci pour ces précieuses informations. Oula, qu'est-ce qu'il y a fait? Il y avait de l'idée dans cette attaque et la défense hein. Récupère finalement. Attention, c'est officiel désormais. Ce transfert dont on n'arrêtait pas de parler et autour duquel se sont succédés les rumeurs et les démentis. Ce transfert donc a bien été confirmé. Finalement, le club s'en sort bien. Un joueur de ce niveau, d'habitude, c'est bien plus cher que ça. La frappe de loin. Il n'y a personne pour la reprendre là. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. Ouais, non, non, l'espace. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Ballon donné sur l'aile. Le jeu qui revient dans l'axe. Voilà, mais l'intervention du gardien là pour écarter le danger. Ouais, il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Ballon qui file en corner. Il fasse le défenseur, une belle frappe. Allez, on resserre tout ça avec ce changement. Une tactique un peu attentiste. Et ce corner qui va arriver tout près de la surface, ça va être compliqué pour lui. Oh, bel arrêt! Le gardien qui repousse, attention! Ouais, il est un petit peu pris là quand même. Ouais, mais c'est le but, hein. On est à la touche, hein, concédé avec le gros pressing d'avance, hein, de l'adversaire. Faut... Arthur. Le bon ballon en profondeur. Non. Oh, bien joué. Mettre la pression. Il a dégagé. Sur le gardien. Ballon qui est sorti en touche. Allez, le changement donc. Il a fait un bon match. Appliqué, sérieux. Pas beaucoup de déchets dans son jeu. Florenzi. Il faut qu'il centre maintenant. Non, ouais, les passes lobées, ils ont du mal, hein. Dès qu'on voulait faire un petit peu Allez, il a du vers l'arrière parce que on veut pas que ce soit trop près du gardien. Alors, c'est pas bien ça joué, renvoie dans la défense. Ouais, c'est joli. Allez, sur Neymar. Merde, il a blessé Mbappé. Et ce ballon qui est bien récupéré. Idrissa Gueye, 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Oh oui, encore une bonne passe. La chevauchée de Neymar. Et dans le tir qui est contré. Ah non. Ouais, la frappe était un petit peu optimiste là, voire naïve. Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? Les joueurs affronteront le FC Nantes pour cette prochaine rencontre. Ce sera un quart de finale de Coupe Nationale. Ce qui s'annonce passionnant, avec beaucoup de suspense entre deux équipes très proches. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. On n'a qu'un but d'avance, hein. On peut pas faire... On n'a pas de filet, là. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ah, c'est bien Neymar donné ce ballon. Avec sa foulée là. Neymar. Ah, encore dévié, ouais, mon dieu. Ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Bon retour défensif. Hein. Je pensais l'avoir effacé, mais. Non, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Ouais, non. Écoutez ça, Pierre. Le score qui n'est pas favorable, mais le public y croit encore. C'est normal, hein. Faut y croire jusqu'au bout. Hein.
Oh là là, Neymar. Neymar. Eh, faute. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Neymar. Faute. Bon, attention, c'est pas. Ah, fait. C'était joli. Y a pas eu faute là. Dès que je vois mon joueur tituber, y a faute. Hein. Attention, attention, attention. Adrien Thomas. Il donne par-dessus. Oh, attention. Attention à cette action. C'est un petit peu maintenant ou jamais là pour ouais, égaliser. Ouais, ouais, ouais. C'est pour le gardien. Ça ce ballon. De allez, puissance, sortir, bien mais joué. On va pas s'en plaindre. Florenzi. On s'observe ouais, de part et bonne intervention. On tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Adrien Thomas. Allez, faut s'appliquer sur cette possession. Ouais, non, ça va. Oh, c'est bien joué. Il y avait du bleu, hein. Il y avait du bleu. Ouais, c'est joli ça. Neymar. Et le couloir est désert. Le PSG va pouvoir en profiter. Kylian Mbappé. Ah, faut trouver un... ah. Et le ballon bloqué par le gardien. En tout cas, ils ont sacrément serré les rangs en défense. De temps additionnel à jouer. Je peux pas faire ce que j'aime faire habituellement. Oh, ça c'est joli ça. Sur un coup. Quoi ouais, trois coups de sifflet de l'arbitre. Ah, c'est la fin. C'est ah terminé. Merde. Bon, bah. Et c'est donc une victoire pour le Paris Saint-Germain. 1-0. Avec courte victoire, mais victoire quand même. Hein. Et trois points qui font du bien du coup. Un petit but, mais c'est suffisant pour aller chercher les 3 points. Bon, même si au niveau du championnat, on est, on est assez à l'aise. Mbappé en bonne position. Attention à cette occasion. Le centre en retrait. Oh, quelle occasion! Quelle occasion! C'était la marque, très attendez pour plus tard le ballon de 1-0. Kylian Mbappé. Ça c'était joli ça. Ça ça aurait mérité. Oh le réflexe! Incroyable! Même moi je pense que je la sortais pas. Mais toi tu es un grand gardien Hervé. Non ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Ouais. Corner. Allez pourquoi pas un but des Parisiens? Ouais, là, il y avait faute, oh, mais... Oh, c'est ouvert à boulevard. Mauro Icardi. Ouais, l'ouverture du score. Oh, le but plutôt mérité, hein, vraiment, pour cette équipe. Ah ouais, complètement. C'est marrant, le geste défensif ça, c'est clair, mais du numéro 5. La précision hein. Manquait un peu. Ouais, voilà. C'est justement ça. Le jeu qui revient dans l'axe. Très à côté. Pour la belle intervention. Ah, c'est joli, gardien, elle. Là, pour écarter le danger. Bon, elle a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. On n'avait pas pu le revoir sur cet angle. 1-0 pour le PSG. Qui veulent la victoire à Strasbourg. Alors, on peut voir. Ah, c'était OMOL. D'accord. Et bien le prochain match, ça sera la suite de la Coupe de France et notamment le quart de finale. Alors, Kylian Mbappé, 5 jours, contusion à l'épaule, le pauvre. Bon, ça va, je suis rassuré, j'avais peur qu'il se fasse plus mal. Alors c'est vachement con, je trouve. On peut même pas jouer notre match. Moi j'étais tout content de le faire. Et ben non. Donc on peut voir, on a gagné 2-0. Putain, je m'en serais mordu les doigts si on avait perdu. Hein. Alors bah prochain match, Stade de Reims. Normalement on est de retour en course. Ça c'est bien.
Ah, ça, c'est un joueur qu'on va suivre de près aujourd'hui, hein, vous vous en doutez. Il est sur une impressionnante série de 3 buts en 3 matchs. La suite du programme dans un court instant sur EA Sports. Salut tout le monde, du spectacle au programme aujourd'hui avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. Tout le monde est prêt, le coup d'envoi dans quelques instants. Au programme aujourd'hui, 90 minutes de foot français avec de la Ligue 1 Uber Eats. Le Stade de Reims affronte le Paris Saint-Germain. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. Tous les projecteurs seront braqués aujourd'hui sur Kylian Mbappé. Ouais, de retour en super saison, au-delà des statistiques, il donne l'impression de pouvoir marquer à tout moment dans le championnat. Et enfin le numéro 11, Boulaïdia. Le 11 de départ du Stade de Reims, le voici. On voit que c'est une équipe qui, sur le papier, aura le désir de prendre le jeu à son compte. Ouais, c'est ce que le 4-5-1 nous laisse entrevoir. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain avec une organisation en 4-2-4. Avec des joueurs vifs et techniques, ça peut donner de belles choses. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon match. Et surtout que notre star ne se blesse pas. Souvent un guichet fermé dans un Parc des Princes qui manquait un peu de ferveur, même si certains supporters sont revenus récemment. Ouais, voilà, il y a le retour des ultras qui a fait qu'il y a eu une plus belle ambiance ces saisons que lors des saisons précédentes. Arthur. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Allez, l'occasion de marquer avec ce duel. Bon, oh, le gardien qui sort vainqueur de ce duel! C'était une énorme occasion! C'est quand même le joueur adverse qui a très mal joué le coup. Ouais, il a déçu l'entraîneur, hein. Et c'est normal, quand tu rates l'occasion de passer devant, c'est sûr que t'es pas joueur en général. Hein. Ah, c'est une perte de balle. Mauro Icardi. Ouais, ça, c'est bien vu. Passe en profondeur. Au second poteau, il y a Neymar. Ah, hors jeu. Dommage, ouais. Il était tout seul. Cette équipe aujourd'hui, elle va essayer de confirmer devant son public les bons résultats qu'elle obtient depuis le début de la saison. C'est vraiment bien parti pour elle. Vous pensez que les joueurs de cette équipe ont été piqués au vif à force de ne jamais voir leur nom cité parmi les équipes. Le gardien qui repousse. Intéressant cette action. Le Paris Saint-Germain qui est le favori est évident de cette confrontation aujourd'hui. Oh, c'est Maria Jiménez. Joaquín Correa. Ah, une belle passe là. Allez, il peut s'échapper là. Ah, le défenseur qui est revenu. Il y a beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. Bon, c'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risques. C'est dommage pour l'entraîneur. Il aurait bien aimé que le ballon aille au fond et on peut le comprendre. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Bien dégagé. Hein. Oh, c'est Maria Jiménez. Il y a un mur rouge. Hein. Il y a un mur rouge. On va tenter de le contourner. Mauro Icardi. Pour Icardi. Il y a un trou. Allez, l'occasion peut-être de donner. Arrêt. Allez, le plongeon là pour les photographes. Même si c'est vrai, quand même, le danger était réel. Ouais, enfin, ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. De nouveau, danger dans le but. Un corner adressé au niveau du point de penalty. C'est repris. Arthur.
Ouais, une belle série de passes là, de la part du Paris Saint-Germain. Pas de souci pour le gardien. C'est dommage. Joaquin Correa. Ah, c'est dommage. Perd ce ballon. Sur la contre-attaque. Fermer ses possibilités. Berisha. Ouh, l'erreur. Ouais, bonne intervention. Pour la possession. J'avais commencé à faire sortir le gardien. En sortie de but. Au cas où le dernier rempart ne passe pas. Il se passe des choses sur d'autres terrains et on me dit qu'il y a eu un but. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur des Girondins de Bordeaux. Un but à zéro donc, alors que la rencontre a débuté il y a 21 minutes, Hervé. Parfait, merci pour ce point rapide. Ah, c'est bien donné ce ballon. Le bon ballon. Ouais, oh, joli. Oh, le but plutôt mérité, hein, vraiment pour cette équipe. Ah ouais, complètement même depuis le coup d'envoi. C'est elle qui se crée le plus d'occasions nettes. Réalisateur qui nous propose de revoir ce centre en retrait. Très belle passe. En football, comme on dit, c'est l'arme absolue. Ensuite, c'est Mauro Icardi qui est à la conclusion. Enfin, quand je dis à la conclusion, il y avait encore du boulot. Hein. Geste sans équivoque de l'entraîneur dans sa zone technique. Il est content d'être devant ce match. But pour le Paris Saint-Germain. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Mauro Icardi. Ballon qui a été dévié, ce sera une touche. Ah non, elle est contrée, cette interposition. Attendez, il y a eu un but, on va tout de suite savoir ce qui se passe et où. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour Monaco. Un but à zéro, donc on bon joue soutien. Ici depuis exactement 27 minutes, Hervé. Ah, merci dommage. Il perd de ce ballon. Passé au centre, là, il y avait un attaquant qui est arrivé à faire le ballon. De la ligne de touche. Contre-attaque. Centre peut-être, allez. Ouais, il va centrer. Oh là, non. Un peu gourmand. Excellente défense. Excellente défense sur ce coup. Joaquin Correa. Ah, c'est pas fini. Oh. Ah là là, dommage, il l'a récupéré trop tôt. Ouais, l'entraîneur n'est pas très content. Et il estime que ses joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque. Il alerte son partenaire dans le dos. Donne en retrait. C'est intercepté, mais bon, c'était une passe un peu mollasse. Je crois qu'un but a été marqué sur un autre terrain. On va tout de suite savoir lequel et par qui. Oui, Hervé, avec le deuxième but en faveur de Monaco. Mbappé ouais. En bonne position. Et l'attaque va s'arrêter là. C'est pas simple. Ouais, bon retour défensif. Et le ballon qui change de camp. Samuel Umtiti. Joaquin Correa. Avec Arthur. Des oh là là, la passe passée. Il a coupé la ligne de passe. Ouais, non, elle était mollassonne. Il y avait écrit sur le ballon, attention, venez me chercher. Intéressant. Ouais, attention, attention. La frappe. Ouais, ouais, l'arrêt du gardien. Les angles sans étaient souci. Fermés. Ouais, on peut pas tellement parler d'occasion de but, mais là, quand on voit ces statistiques, il aurait peut-être fallu s'en créer un peu plus pour espérer autre chose que de courir après le score. Ouais, c'est joli, ah ouais, ça. Superbe, il file au but. Ouais, bel arrêt. L'énorme plongeon, il écarte très le danger. Très bel arrêt. Ouais, il a pu faire admirer son coup d'œil, c'est vrai, mais surtout sa grosse détente. Il cherche le point de pénalty. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Une minute, c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. Ouais, c'est une récupération qui ne doit rien au hasard. Il y a eu un gros pressing sur l'adversaire, efficace. Entre El Di Maria. Pour Neymar.
Ouais, joli. Oh, il est passé, il est passé, il y a danger. Ah, la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. C'était dommage. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la performance pour l'instant de l'Argentin Mauro Icardi? Il a livré une première période franchement correcte, mais on sait qu'il est capable de faire encore mieux. Et deuxième mi-temps. Le PSG qui mène au moment où l'arbitre siffle le début de la seconde période. Arthur. Pour Icardi. Un petit trou de souris. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Il choisit la frappe et le ballon bloqué par le gardien. Bien récupéré. Kylian Mbappé qui a des solutions. Ouh, le petit tacle. Bien repoussé par la défense. J'ai envie de prendre ma revanche sur mon pénalty manqué. Allez, hop. Allez, il va. Kylian Mbappé, attention, ça c'est circule. Dangereux. Ça circule. Neymar. Hors jeu ou pas? Hors jeu, hors jeu. Ouais, il y a hors jeu. Je l'avais senti. Hein. Icardi. Voilà là. Oh, c'est. Vas-y. Neymar. L'occasion. Oh, joli. PSG qui marque. Et ça fait 2 buts d'écart maintenant. 2 buts d'écart pour les Parisiens. Un ballon imparable pour le gardien. L'action a bien été suivie là. Dur à aller chercher. Bon, c'est presque un péno. On voit ce but sous un autre angle. On lui a laissé aucune chance. C'est de 2. Eh bien, ça sécurise le score ça et la victoire. Début d'écart maintenant, 2-0. Comment cette seconde mi-temps positivement. Berisha. Allez, il continue. Non, un peu poussé là. Sort. Le gardien qui va donc pouvoir relancer. Di Maria sort. Samuel Umtiti. Arthur maintenant. Joaquin Correa. Et le PSG qui va profiter de cet espace sur les ailes. Ah, mais alors, gros retour de joueur. Icardi. En défense. Joaquin Correa. C'est joli ça. C'est dommage. Hein, une grosse frappe, mais de peu à côté du cadre. Elle méritait mieux, peut-être. Ah, c'est sûr. Votre attention, s'il vous plaît, on demande Madame Briand un petit peu de jeu à l'entrée du stade. Madame Briand, merci. Oula, c'est très dangereux ça. Il cherche des solutions là. Il est hors jeu. Ah, c'est mal joué, l'appel, il aurait dû attendre un peu. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Oula. Mbappé qui s'est un petit peu troué sur ce ballon, qui perd le. La possession. Dombia. Elle passe en profondeur. Il centre maintenant. Ah non. Ah, la tête qui rate le cadre. Et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Embêté par le numéro 3. Hein. C'est là pour le gêner. Alors qu'il y a d'autres changements. Idrissa Gueye. Il se fait
piquer le ballon. Oula, attention. Ouais, un peu de soutien. Arthur, entraîneur de l'équipe visiteuse, qui donne ses dernières consignes aux joueurs qui vont faire son entrée. Ah, c'est l'entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui... Oh, il s'est ouvert le chemin du but. On est mort. Ah, ça, ah c'est dangereux, délire. Bonne intervention. Bonne défense. On reprend le contrôle du ballon. Mbappé, oh, très belle passe. Frappe. Oh, c'était joli. L'intervention du gardien. Oh, il y avait une frappe. Ouais, il a pas hésité à y aller. Très, c'est très bien. Puissante. Hein. Ah ouais, ouais. Frappe comme je les aime. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. Le numéro 14, Arthur. Son remplaçant, le numéro 23. Julien Draxler. Attention, ce corner de Neymar. Ouais, c'est dommage. Cette tête qui manque le cadre assez largement. Ouais, il l'a joué comme un peu comme il l'a pu. Il était bien pris au marquage. On voit le ballon qui file au-dessus finalement et qui n'inquiète pas le gardien. Son partenaire lui avait adressé un bon centre, pourtant après c'est beaucoup moins bien. Récupéré. Joaquin Correa. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Oh, le but peut-être. Oh là, oh, ça y est, c'est dévié. C'est dommage. Oh, la défense a eu chaud. Ouais, heureusement. Ah, il est bien parti ce corner. Très bonne anticipation sur ce ballon. Il est tout seul. Ça joue un petit peu partout en ce moment. Apparemment, il y a eu un but. Oui, deuxième bon but retour. À l'instant en faveur de l'OM. Donc, deux buts à rien pour l'instant. Après 75 minutes de jeu, Hervé. Merci, c'était complet, c'était précis. Ouais, il met pas sur profondeur. Qu'est-ce qu'il récupère comme ballon aujourd'hui? Oula, j'espère qu'il s'est pas fait mal. Ballon rendu à l'adversaire. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, joli. Joaquin Correa. Ouais. Ballon bien négocié par le gardien. Ce sera un nouveau corner. Neymar pour le frapper. Attention à ce corner. Contrôle. Il hérite d'un bon ballon. Oh, c'est joli. Mais difficile. Oh, c'est magnifique. Le Paris Saint-Germain qui marque. Alors que l'on revoit le corner qui a très belle le passe. But. Tout est parti. Un petit contrôle. Le défenseur se. Bien résisté. Personne sur la trajectoire. Une belle action individuelle. Et 2-3. Il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match, évidemment. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Il y a plusieurs matchs hein, qui se jouent en même temps. Apparemment, le score a évolué quelque part. Et oui, c'est le troisième but pour Monaco. Le score est maintenant de 3 buts à 0, alors qu'on joue la 84e minute de jeu. Merci, merci pour l'info. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon ? Attention, ça croise. Et il vient chipper le ballon dans la moitié adverse. Attention à la frappe. Oh, quelle détente. Marre, hein. Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Waouh. Très belle intervention. Corner, attention. Il reste 3 minutes à peu près. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ça reprend. Attention, c'est dangereux. Ça manquait quand même de conviction là.
Oui, alors là, j'ai pas bien compris. Hein. C'est une occasion nette, mais le gardien s'est emparé du ballon sans problème. Incompréhensible. Plus que 2 minutes à jouer dans cette rencontre. Ah, c'est capté. Le ballon qui change de possession. Hors-jeu, ouais. Il est parti trop tôt. Il reste 4 minutes. Alors que le temps additionnel. On se crée une petite occasion. Ce sera 4 minutes. Il a cherché ce ballon un petit peu plus bas pour essayer de créer un peu de mouvement. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Oh, le gardien qui repousse, il vient toujours dans le but. Joli. Et le but. Il a suivi. On est hué. Hein. Allez, on revoit ces images qui nous. Une très belle frappe, bien captée dans un premier temps. Dans un premier temps, il a fait ce qu'il peut, mais l'attaquant a bien suivi de l'autre côté. C'est ça. Un vrai renard. Waouh. Elle a failli taper le poteau. Hein. Voilà, il pouvait rien faire. Et puis la défense n'était pas non plus. Sur l'action. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Le favori qui a répondu présent avant ce match. De belle manière, faut le ouais, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est terminé. Et c'est donc une victoire pour le Paris Saint-Germain. Ouais, voilà une journée de championnat ultra positive pour cette équipe. En même temps, elle était largement au-dessus de son adversaire dans ce match. Puis c'est bien, on a fait marquer en plus plusieurs joueurs. On a vu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux appliqué dans ce match, ouais. Bonne performance de sa part, en plus son équipe gagne. J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match, il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but, c'est toujours bon pour la confiance. Ah, c'est bien donné ce ballon. Le bon ballon. Et l'ouverture du score. Oh, le but plutôt mérité, hein, vraiment pour cette équipe. Ah ouais, complètement même depuis le coup d'en. Ah ouais, superbe, il file au but. Oh, l'énorme plongeon, il écarte le danger, Pierre. Ouais, il a pu faire admirer son coup d'œil, c'est vrai. Icardi. Et l'occasion. PSG qui marque. Et ça fait 2 buts d'écart maintenant. 2 buts d'écart pour les Parisiens. Il frappe. Oh, la belle intervention du gardien là pour écarter le danger. Ouais, il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Ballon bien négocié par le gardien. Attention à ce corner. Il hérite d'un bon ballon, mais difficile à exploiter. La belle frappe. Attention à la frappe. Très bel arrêt. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Oh, il a fait le plus dur, peut-être. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Et le but! Et le petit quatrième. On aura fait mal, hein. On aura fait mal. On a été plutôt bon avec notre joueur. Et ben voilà, alors lors du prochain épisode, et ben on pourra continuer les 8e de finale de la Champions League. Et bien sûr, on pourra jouer notre match puisque notre joueur fétiche ne sera pas blessé suite au prochain numéro.